Nous prenons une décision. Nous avons parlé aujourd'hui à Walmart, à Oracle. Je suppose que Microsoft est toujours impliqué. Nous prendrons une décision, mais rien n'a beaucoup changé. Nous prendrons une décision bientôt. Il a fait ses commentaires jeudi après avoir examiné les propositions des entreprises. Le mois dernier, le président Trump a donné 45 jours à TikTok pour vendre ses opérations aux États-Unis ou faire face à une interdiction, ce qui, selon lui, pourrait se produire dès la semaine prochaine. Mais un accord pourrait empêcher l'interdiction. La société mère de l'application de la chinoise ByteDance vise à conserver une participation majoritaire dans TikTok et la propriété de l'algorithme de l'application. L'entreprise dit que Beijing doit encore approuver un accord en raison d'une loi sur l'exportation de technologies. Les responsables chinois affirment que l'entreprise ne devrait pas subir de pression de la part des États-Unis. Au cours des derniers jours, mes collègues et moi-même avons exprimé clairement notre position à maintes reprises sur cette question. Nous exhortons la partie américaine à respecter les principes de l'économie de marché et de la concurrence loyale, à respecter les règles économiques et commerciales internationales, à cesser de politiser la coopération économique et commerciale normale et à fournir aux entreprises étrangères un environnement commercial juste et non discriminatoire.